équipe, c'est Niski pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On a donc, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on a eu encore quelques nouvelles de la 1.35. Ici les nouvelles qui ont été données, ce sont des nouvelles à propos des remorques qui vont arriver et débarquer sur Eurotruck. Donc voilà, avant toute chose je tiens à vous inciter à vous abonner à la chaîne et partager et mettre un like si ce n'est pas encore fait. Et un grand merci à tous ceux qui le feront, ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu que vous avez été nombreux sur les retours de la 1.35 en approche. J'ai à préciser qu'il y a on parle un peu du DLC, donc de la 1.35 aussi. Il y a probablement un DLC qui va être incrusté à cette mise à jour. Et donc je vous prie d'aller la voir, la vidéo est sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, franchement les amis, et un grand merci à tous et d'avance. Donc voilà, donc nous sommes ici et... SCS l'a annoncé hier, on a reçu la news, hier lundi, comme vous pouvez le voir. De toute façon, le lien de l'article sera donc dans la description, et puis voilà. Donc, on va lire ensemble un petit peu, afficher les images comme d'habitude, et alors détailler tout ça. Donc voilà, c'est une ETS2, on va dire, je fais l'info news ETS2 du moment. Vu que bah il y en a pas beaucoup qui le font, et je pense que ça fait vraiment plaisir à certains, et c'est ce qui intéresse beaucoup les gens en ce moment. Donc c'est parti. Donc remorque nouvelle partie 2, donc des nouvelles remorques partie 2 sur Euro Truck 2. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Comme promis, nous sommes de retour pour la partie 2 de Trailer News, donc les news de remorque. Et cette fois-ci, nous partageons ce sur quoi nous avons travaillé pour ETS2 dans la 1.35. Nous sommes ravis de vous présenter de nombreux nouveaux types de remorques et combinaisons que vous pourrez transporter dans la prochaine mise à jour. Semblable à d'autres types de remorques que nous avons déjà dans le jeu, tels que les remorques à cargaison et cargaison. Ok, on va dire ça comme ça, c'est Google Traduction les gars. Nous sommes ravis de pouvoir vous apporter une grande variété de remorques porte-conteneurs. Désolé les amis. Et donc, ils ont beaucoup travaillé sur les porte-conteneurs, comme on va le voir ici donc en image. Donc voilà, ici vous avez donc la double semi. Donc ouais, double semi, on parle bien de la double semi porte-conteneur. Donc c'est vraiment génial. On avait déjà ce type de remorque et c'est plutôt bueno. On peut apercevoir aussi que la route est une des routes style scandinave. Donc voilà, c'est des routes style scandinave ça. Donc vraiment chouette. Et donc là-haut, on peut vraiment apercevoir que c'est donc deux semis avec un dolly. Donc c'est chouette, franchement c'est chouette. Ici, on peut apercevoir donc le porte-conteneur avec deux essieux. Hein, parce que ça serait bien aussi qu'il fasse ça pour ma part sur le... Schmitz qui casse un peu les bonbons pour être poli. Donc voilà, il y a donc comme vous pouvez voir, il y a une cuve, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dessus, mais il y a bien une cuve sur ce petit Renault Premium. Donc voilà, on peut aussi apercevoir qu'il y a le DLC, c'est une peinture d'un des DLC ça, si je me trompe pas. Donc voilà, franchement nickel, nouveau type de remorque, hein, donc c'est bien. Ici ça c'est la remorque porte-conteneur, donc on peut mettre deux conteneurs. Ils ont vraiment travaillé sur les conteneurs, hein. Regardez, ça c'est les conteneurs 40 pieds. Ouais, c'est ça, c'est les conteneurs 40 pieds les amis, vraiment chouette. Ah, la double semi à bois, donc voilà. À bois parce que regardez, à l'arrière on a les 4 essieux aussi. Donc à l'arrière de la deuxième semi il y a les 4 essieux et à l'avant sur la première non. Mais ça c'est une nouvelle remorque, avant on pouvait pas posséder les remorques agrumes à bois. Donc ça c'est une nouveauté, hein. Regardez, elle est encore chargée ici. Donc franchement, ça ajoute du super contenu et je suis vraiment content, hâte de tester. Parce que là on va faire travailler, cravacher les camions, regardez ici donc les remorques à bois. Ça c'est les nouvelles remorques à bois qu'eux nous vont fournir et ils seront certainement achetables. Et je crois même qu'on pourra acheter les Schwarzmüller pour ceux qui ont le DLC comme moi. Ça sera tout génial. Donc regardez, remorque à bois. Ici on a, ça c'est dans le... Ça c'est les remorques qu'on pouvait transporter en haut là.
sur le DLC scandinave. Et là, on peut apercevoir que ça, ce sont des routes allemandes. Donc apparemment, on pourra aussi redescendre sur l'Allemagne et le Pays-Bas avec ses remorques. Donc ils vont extenser le contenu là sur le Pays-Bas et l'Allemagne. Donc ça va être plutôt bueno. Pour ceux qui ne savaient pas, ben, vous le saurez. Voilà, donc Trayette, hein, donc ça voilà, vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est extensé parce que ça, je pense pas qu'on avait les Trayettes ainsi sur les Scandinaves. Je suis pas sûr de moi. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'ai un abonné aussi qui m'a été très intéressant par rapport à ce qu'il m'a dit qu'il pouvait exploiter la map. Si t'as des infos, n'hésite pas à venir me trouver et me donner aussi les combines, ça serait vraiment génial. Voilà, donc ça c'est la Schwarzmüller qu'on pourra acheter. Normalement on pourra l'acheter, voilà. Vraiment très belle, hein, moi j'aime bien en tout cas. Hop, ici, bah voilà, on pourra, donc frigorifique, hein, comme vous pouvez voir, et en blanc. Elle pète bien sur un petit DAF. C'est bueno. Ah, des bus, ouais. Ces bus là, on les a connus, elles sont posées sur les remorques à bois, comme vous pouvez voir. C'est plutôt bueno, donc elles vont servir ces putains de remorques à bois. Encore une remorque à bois. Donc ils ont vraiment privilégié, donc voilà, les remorques Krone de 40 pieds. Donc voilà, ça c'est vraiment bueno bueno. Voilà, vous voyez que sur la Krone il y a donc le conteneur de 40 pieds. Et pour finir, aussi un conteneur 40 pieds, mais c'est des... Comment on appelle ça? C'est des produits dangereux là. Je sais pas comment ce que c'est. C'est quoi encore qu'il y a là-dedans? Je sais plus. Je sais plus vous dire, je suis pas spécialisé là-dedans, mais... En tout cas, c'est un produit dangereux, de toute façon, vous voyez, il y a les plaques et tout. Et alors, donc, on peut voir, je pense que c'est un truc de 40 pieds aussi, directement. Donc, voilà. On va lire ensemble l'article. Donc, les remorques de journaux ont également reçu une mise à jour. Donc, journaux, c'est les grumes. Ce qui verra l'inclusion d'une grande combinaison de ceux-ci, qui varie en longueur et en taille. Les remorques forestières incluront également la variante de Schwarzmüller qui sera disponible à l'achat. Donc voilà, c'est bien confirmé ce que je dis, les Schwarzmüller, on pourra les acheter. Grâce aux récents essais réussis et menés en Allemagne et aux Pays-Bas, vous pourrez désormais utiliser le double trailer dans ces pays. C'est confirmé aussi, comme ça vous avez l'info. Donc, nous avons également reçu un grand nombre de demandes de notre communauté souhaitant pouvoir acheter leur propre remorque Schwarzmüller. Nous sommes heureux d'annoncer qu'ils seront disponibles à l'achat chez les concessionnaires de remorques dans la prochaine mise à jour. Donc très bonne nouvelle. Donc on peut voir que donc la Schwarzmüller à bois, c'est celle-ci et celle-là. Donc vous pouvez voir que c'est les deux mêmes et on pourra mettre donc du bois et des bus et compagnie. Donc ce sont ces deux-là. Alors, vous pourrez désormais transporter une remorque Krone Boxliner étendue conçue pour les conteneurs à 40 pieds. Donc, c'est ce qu'on en parlait juste avant. Voilà, donc ça, c'est une plutôt une bonne chose. Les possibilités sont infinies pour transporter différents types de remorques dans la 1.35. Et nous sommes impatients que vous les essayiez vous-même. Voilà, voilà. Donc, merci Alex pour l'article qui a été publié donc à 5h53. Ce 4 du 8 2019. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette info news vous aura plu. N'hésitez pas donc à donner vos avis dans les commentaires comme d'habitude. Partagez la vidéo avec vos amis. Et puis ben, on se retrouve prochainement pour des infos sur Euro Truck encore, parce qu'il y en a encore qui vont tomber. Donc là, ils ont donné les infos un petit peu des remorques et des voyages que l'on pourra faire, notamment donc dans Euro Truck. Prochainement, on aura certainement des infos par rapport au DLC qui va sortir, donc des extensions de map, étant donné que je rappelle qu'il y a une vidéo qui a été sortie sur sur la chaîne d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle se trouve donc dans la section Euro Truck et elle est ici, donc c'est DLC en approche, voilà voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, celle-ci, on en a parlé, il y a donc un bel et bien DLC avec un paysage un petit peu... voilà, qu'on ne sait pas d'où vient. Donc voilà, et alors il y a des infos aussi sur celle-ci. On voit des images. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour les amis, c'est très important. Vous allez dans la section Euro Truck, il y a plein de vidéos. Donc franchement, vous serez servis. Et puis voilà. Je remercie à tous
à tous ceux qui m'ont suivi. N'oubliez pas donc le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. Quand je dis pouce, vous dites bleu, pouce bleu.